Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du blog leslectures-de-lia.com. Donc comme nous sommes début décembre, il est temps que je vous présente mes tops et mes flops du mois de novembre. Donc j'ai pas énormément de livres, mes flops n'en sont pas vraiment non plus, c'est pas non plus des énormes déceptions. Disons que ce sont les livres qui m'ont un petit peu moins plu que les autres, tout simplement. Mais je dirais pas pour autant que ça a été de mauvaises lectures non plus. Donc j'ai commencé par les flops. Donc le premier, c'est La Balade de Papa de Catherine Moreau et Élise Manceau. C'est édité chez L'Élan Vert. Donc c'est une jolie histoire, je peux pas le nier. Franchement, c'est très joli, c'est très tendre, c'est très doux, c'est très poétique. Et justement, en fait, moi, ce qui est trop poétique, j'ai un petit peu de mal. Je trouve ça joli, mais disons que c'est pas le style auquel j'accroche le plus. Toutefois, franchement, ça reste vraiment très très beau, très sympa. Franchement, ça, j'ai pas regretté non plus. Mais voilà, ça ne m'a pas marqué non plus énormément. Donc voilà, par contre, les illustrations aussi sont jolies. J'essaye de vous montrer un peu sans le reflet, voilà. Donc voilà, c'est un album qui est joli, je ne nie pas, qui est vraiment beau sur les relations père-enfant. Mais voilà, un petit peu trop poétique, un petit peu trop mélodieux à mon goût, tout simplement. Mais voilà, sympa. Ensuite, ben en fait, j'ai que deux flops pour ce mois-ci. Donc là, c'est un flop entre guillemets aussi, parce que c'est un album qui est vraiment sympa. Mais je m'attendais pas à ça non plus, et en fait, il n'a pas été vraiment adapté à ce que je recherchais, on va dire. Je vais vous expliquer ça plus amplement. Donc, il s'agit de Un bébé dans le ventre de maman. C'est de Stéphanie Blake et c'est édité chez l'École des loisirs. Donc, pardon, un petit peu malade. Donc c'est une histoire vraiment sympa, rigolote et tout ça. Simon, si vous le connaissez, il est vraiment marrant. Il plaît beaucoup aux enfants et tout ça. Le seul truc, c'est que disons que la façon d'expliquer comment on fait des bébés aux enfants, c'est expliqué très sans détour, on va dire. C'est pas non plus choquant outre mesure, mais disons que mon fils n'en est pas à me demander encore comment on les fait. Il pose des questions, mais je veux dire, il n'a pas besoin encore que je rentre dans les détails. Donc du coup, lire cet album, c'était pas franchement adapté à lui. Voilà, donc j'ai préféré passer tout simplement, me disant que dans quelques années, enfin, ça se trouve d'ici quelques mois, hein, ça se trouve l'année prochaine, il sera plus réceptif. Mais là, disons que voilà, c'était un petit peu trop poussé pour lui. Mais par contre, si vos enfants se demandent vraiment comment on fait les bébés, techniquement parlant, entre guillemets, ça peut être une manière de leur expliquer ça, tout simplement. Voilà, je le mets en flop, entre guillemets, parce que c'était pas du tout adapté à ce que je recherchais à ce moment-là, tout simplement. Mais ça peut être sympa. Voilà, donc vous voyez, deux flops, mais qui n'en sont pas non plus, qui sont pas vraiment de grosses, énormes déceptions. Ensuite, pour mes tops, donc c'est trois coups de cœur qui m'ont vraiment, vraiment plu énormément. Donc il y a d'abord Mère Teresa, Aimer jusqu'à en avoir mal, c'est de Véronique Delamare-Bellego et c'est de chez Oscar. C'est un roman vraiment magnifique, je vous en ai d'ailleurs fait une chronique vidéo et également sur le blog, comme toujours. Voilà, franchement, au départ, j'étais pas spécialement tentée. Je veux dire, Mère Teresa, ok, je la connais, mais enfin, je la connais. Tout le monde connaît le personnage, mais voilà, lire une biographie d'elle, ça ne. Voilà. Ok, je vais le lire, mais je suis pas non plus extrêmement tentée, on va dire. Et ben, franchement, j'ai été super, super agréablement surprise parce que l'auteur a réussi à faire un très, très beau livre. C'est franchement un beau voyage qu'on fait avec les. En fait, c'est une jeune fille qui part en train et qui fait la connaissance d'une nonne dans le train et on part en fait avec elle en voyage tout simplement. Et c'est franchement, franchement bien écrit. C'est intéressant, c'est beau, c'est tout ce que vous voulez. Enfin, voilà, c'est. Voilà, vous n'êtes pas tenté au départ, je ne l'étais pas non plus, ok, mais franchement, allez-y parce que c'est un très très beau livre, je trouve qu'il mérite d'être lu. Donc voilà, je vous le recommande vraiment. Ensuite, il y a deux albums coup de cœur. Il y a La plus mignonne des petites souris.
C'est de Étienne Morel et c'est édité chez Flammarion. Donc c'est une réédition, on va dire, parce que le conte est assez vieux. Et même pour les illustrations, voilà, ça date de 1953. Et pourtant, franchement, c'est magnifique. Donc je vous montre d'abord les illustrations. On sent qu'elles ont un petit côté vintage, on va dire. C'est assez ancien et je trouve que ça a plein de charme. C'est vraiment très très beau. L'histoire, elle est aussi vraiment magnifique et malgré les années, elle prend pas une ride. Je trouve que c'est le genre d'histoire intemporelle qu'on peut relire avec ses enfants et qui sûrement, eux, la reliront aussi avec leurs enfants. Donc vraiment, un album super super joli, une histoire très très belle. Je vous recommande aussi vraiment vraiment beaucoup. Voilà. Et enfin, dernier album que je vous présente dans mes tops, ça a été vraiment une agréable découverte, que avant de le lire, je veux dire, je savais pas franchement de quoi ça allait traiter, et puis voilà, je m'attendais pas forcément à un coup de cœur, et au final, ben, ça a été un coup de cœur. Donc il s'agit de Philbert, ou l'histoire d'un bon petit démon, c'est de Iwain Oram et Jimmy Liao, et c'est édité chez Bayard. Donc rapidement, l'histoire, c'est Philbert, le petit monstre là, qui est un petit monstre en fait, qui est trop gentil, très gentil, mais donc aux yeux de ses parents, il n'est pas un bon petit monstre, parce qu'il fait pas de bêtises, il écoute pas la maîtresse, entre guillemets, en fait il fait tout le contraire de ce qu'il devrait faire. Dans son monde à lui, on s'attend à ce qu'il fasse des bêtises, qu'il soit méchant, qui soit un monstre, et en fait lui c'est, on va dire, l'équivalent d'un enfant très très sage. Et il va faire la rencontre d'un petit ange, une petite fille, qui elle se comporte comme un petit monstre alors qu'elle devrait se comporter comme une enfant très très sage. Donc voilà, les rôles sont inversés. Et franchement, c'est très très joli parce que déjà l'histoire est pleine d'humour, les enfants aiment beaucoup parce que justement ce côté... on inverse les rôles, on inverse le bien du mal, c'est vraiment pas mal du tout. Et voilà, c'est fait avec plein d'humour, c'est joli, c'est voilà, c'est génial. Franchement, j'ai beaucoup adoré. Donc voilà le livre, il est aussi très très beau, les illustrations sont pleines de couleurs, elles sont très jolies. Et franchement, ça a été un coup de cœur, c'est un album qu'on va relire encore avec plaisir pendant plusieurs années, c'est sûr. Et je vous le recommande vraiment. Donc voilà, j'en ai fini avec mon top flop de ce mois de décembre. Il me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon mois de décembre, de très belles lectures, et j'espère que ce mois de décembre sera riche aussi en coups de cœur. Je vous dis à très bientôt.